Et salut tout le monde, c'est Jordan et bienvenue pour cette nouvelle session de Mystery Case Field, l'héritage de Dalimar, édition collector. Et ça y est, on y est, nous sommes au manoir Ravenhearst pendant sa construction. Et donc dans le précédent épisode, on a sauvé notre robot qui nous a lui-même sauvé. Enfin, il faut qu'on sauve ce robot. Mais du coup, il faut qu'on lui mette des fleurs, je crois, c'est ça, hein. M'a demandé de fleurir la tombe. Eh ben, on va fleurir la tombe. Ah, il faut un objet tranchant. Vous êtes dans la science. 1863, 1894, 1871, 1895. Les premières victimes de Dalimar. Qui sait? Je dois leur rendre hommage. J'ai fait ce que Robert m'avait demandé. Cela faisait-il partie du programme intégré? J'en doute. Dalimar n'a jamais montré de respect pour ses victimes. I can't compute why, but I enjoyed my time with you today more than any other. Goodbye, friend. Oh, tu as été un ami inattendu, Robert. Merci pour ton aide. Il m'a demandé de l'aider à retirer ce panneau. Je dois taper dessus avec quelque chose. J'ai rien du tout. Il me manque Emma Dalima. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pour retirer la fumée, je dois... Un tube serait parfait ici. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Et ça, c'est quoi? Ça me servait à quoi? Pas de noix. Un support pour un petit parchemin. Là, c'est pour couper le verre. Très bien. Hop. Le roi. Très bien. On a récupéré ça. Une noix. On a ce qu'il faut. Hop! Des petites bouteilles. Qu'est-ce que ça va nous... À quoi ça va nous servir? Ça, les tuyaux, est-ce que ça va là? Ouais. Nickel. Très bien. Le parchemin. La couronne, déjà pour commencer. Hop! On mélange les produits chimiques, comme ça, tranquille. Tout va bien. Ok. Alors. Ensuite. Et enfin. Parfait! J'ai même pas lancé le timer. Je vous avouerai, je suis tellement en mode à l'arrache. Ça va peut-être être un épisode qui va durer plus longtemps, j'en sais rien du tout, on va bien voir. Emma! Hop! La falaise. Le plus grand des mécanismes de Dalimar, au bord d'une falaise? Ah, mais oui! La police est là, et je sais qui ils cherchent. Et de 1. Et ensuite, il me faut le deuxième cœur. Il est là. Parfait. Je n'ai pas d'autre choix que d'essayer d'amorcer les mécanismes sur la falaise. Si je reste pris au piège dans le corps de Dalimar, je devrais rester ici pour toujours et purger la peine de ses crimes. J'ai peur de penser à ce que sont devenus mon corps et mon époque pendant que j'étais ici. Il me faut... des tuques que je n'ai pas. Ici, nous avons un tissu. Très bien. On dirait qu'on peut lire des films ici, comme le faisait le pauvre Robert. Ah, peut-être qu'il a un dernier film à nous montrer. C'est pour ça. Ici.
On a une grosse machinerie. Retourner dans mon corps. Objectif ajouté, démarrer le mécanisme de la falaise. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors. Tiens, vous me faites penser... Il y a deux fragments. J'étais tellement surexcité en mode « Ouah, trop bien, le manoir Ravenhurst !» que j'avais complètement zappé quand même de faire le travail habituel. Allez, on va à Ravenhurst. Enfin, on va pas rentrer dans la maison. D'où sort le chien policier? Angelica a promis de faire venir la police. Sont-ils déjà à la recherche de Dalimar? Comment fait-on pour détourner l'attention d'un chien policier? On le tue! Non, promis, je suis pour la cause animale. S'il vous plaît, ne m'en veuillez pas. 1500 ans de Kiev. L'ancienne ville de Kiev fête cette année son 1500e anniversaire, et les historiens ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord sur la vie des princes qui l'ont fondée. Avec une planche bien sèche, je pourrais produire des copeaux. Ah, ok, ok. Il n'y a pas de puzzle ici. Hein. Planche sèche. Ah, regardez-moi ça. Si je gratte le ciment avec un objet pointu, je pourrais ensuite retirer la pierre. Parfait. Un objet. Et le deuxième doit pas être très très loin. Vous voyez, je vous avais dit. Il y a une pièce de puzzle. Alors je sais pas où elle est. Regardez-moi ça. Bingo! Alors, on va donner l'os au chien. Voilà, casse-toi. La chaîne est brisée, je dois retirer la partie rouillée et raccorder le reste. Je sais pas ce qu'il faut. Ici la planche. Alors réfléchissons mon petit Jojo. De l'eau. Ah, il me faut de l'eau. Hop. Ah. Utilisez les jetons pour tracer un chemin entre le cercle vert et le rectangle en haut à droite. Le jeton bleu trace une ligne d'un segment de longueur. Je trace plusieurs segments. Hein ? J'essaie de comprendre la logique du truc. Le jeton ne bouge pas. Faut que je fasse un chemin, en fait. J'ai pas bien saisi. Utilisez le jeton pour tracer un chemin entre le cercle vert et le rectangle en haut à droite.
Ah oui, d'accord, ok. Je viens de comprendre. Enfin, j'ai compris sans vraiment comprendre, hein. C'est ça le problème. Oh. Un fourgon est arrivé. Je dois faire preuve de prudence. Alors. Pas cette carotte. D'accord. Très bien. Des lunettes. Une moustache. Selon trois témoins oculaires, un policier a été blessé alors qu'il tentait de descendre au sous-sol. Retenez le suspect à tout prix. L'école. Très bien. Une médaille du mérite. Une tourte. Une matraque. Faut que je trouve ce qui va me permettre d'ouvrir la boîte. Boîte! Robert, do you think our realities are one and the same? I think not. The energy saturations are so intense that they interfere with filming. Meddling with time is never a good idea. But what if you had no choice? You can correct things that happened, at least in one of the realities.
You, Charles Delamar, in the name of the Blackpool Police, you're under arrest. Stop now, or I'll set the dog loose. Who are you? You enjoy ruining my life. Know this.
You may have won in this version of reality, but how many others did I succeed in? I'll be back, I promise. Time has changed. For better or worse, at least it's settled. Well done, Detective. Where did you find this photo, Detective? It reminds me of a story about the Ravenhurst estate. One day, a strange man presented it to my great-grandmother. No one's been living here. I hope it'll be the perfect headquarters for the agency. What do you think? Bien, je suis désolé, je sais pas ce qui s'est passé, je pense que c'est mon câble de micro qui me fait des siennes, là je l'ai changé, ça a l'air d'être mieux. On va tester sur la longueur et si vraiment je vois que mon micro déconne autant, je pense que je repasserai à mon ancienne méthode qui était d'utiliser mon téléphone portable parce que ça fait beaucoup trop d'épisodes où malheureusement vous êtes coupé de mes commentaires. Alors il y en a certains qui diront ouais, c'est pas des commentaires très... Oui, je sais, je ne suis pas commentateur sportif. Mais bon, voilà. On a terminé l'aventure principale. Ah oui, je voulais quand même y revenir là parce que... Donc du coup, on a... En voulant explorer le passé, changer le futur, on est bien d'accord. Donc du coup, ça veut dire que là, toute la trame narrative qu'il y avait depuis les premiers Mystery Case Files est complètement changée ou... Ben voilà, je me pose sincèrement la question. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas. De toute façon, il y a un nouveau Mystery Case Files qui vient de sortir. Donc je pense que on ira explorer un peu tout ça dans les prochains épisodes. Allez, la suite, la fouette. Wow. Hop. Je n'arrive pas à croire que ce fou m'ait finalement laissé partir. Voyons les preuves que je lui ai prises. J'ai pris la fuite. Je suis libre. Mais le froid est mordant. Il faut que je me réchauffe et que j'aille en ville. Il va pleuvoir. Ce petit smiley triste. Oh la vache.
Parfait, une surface plane pour étaler les documents. Ok. Est-ce que nous avons des objets métamorphes? Oui, nous avons des objets métamorphes. Métamorphes. Pourquoi j'ai envie de faire métamorphes? J'ai besoin d'une... Tac, tac, ok. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a un autre objet métamorphe ici? Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a un autre. Où est-ce qu'il est? Moi, je suis sûr, là, il est au niveau des troncs. Mais je le vois pas forcément. Ah, il était là. Ok. Ok, ok, allez. Je dois trouver un maximum de preuves de la culpabilité de Dalimar. Très bien. Et là, dans le manteau, nous avons quoi? Dalimar a forcément fait quelque chose de mal, et je compte bien le prouver. J'ai trouvé un endroit dans la forêt. Je m'y rendrai demain pour chercher des preuves. J'ai parlé à la pauvre mère de la disparue, Angelica. Nous devons l'aider. Derek, tu es un bon garçon, mais arrête d'enquêter sur Dalimar, il a été acquitté. Si le journal traîne comme ça par terre, cela signifie que Dalimar a eu ce pauvre policier. Très bien, très bien, très bien. Ça va s'ajouter ça. Ok. On place l'épreuve ici. Petite scène d'objets cachés, évidemment. Mais ça sera dans le prochain épisode. Parce que voilà, je vous laisse comme ça, direct. À peine on a vu de commencer l'épisode bonus. Direct, on s'arrête là. J'espère que cette fois, cet enregistrement se sera bien déroulé. Je vais essayer de régler mes problèmes de micro pour la prochaine fois. En attendant, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, me soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et en regardant les autres vidéos, il y en a une palanquée. Faites-vous plaisir. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Casu.